Bonjour à tous, je vous présente cette vidéo pour vous montrer comment faire un licol éthologique slash. Donc j'ai déjà fait quelques essais pour vous montrer. Voilà, ça donne ça. Donc pour ce licol éthologique slash, je vais prendre Onassis. Donc voilà, Onassis, donc nouveauté 2015, donc voilà. Vous aurez besoin de fil. Donc moi je vais prendre de la laine, mais vous pouvez prendre un autre fil, voilà. Et vous aurez besoin aussi de ciseaux, voilà. Donc pour commencer, on va prendre le fil. Vous allez faire un nœud que vous n'allez pas serrer. Alors voilà, vous serrez un petit peu et vous le mettez sur le naseau de votre cheval. Et vous faites un double nœud. Excusez-moi. Faites un double nœud comme ceci. Voilà. Vous basez bien sur le museau. Donc, maintenant, on va faire les montants. Donc, on va les placer comme ceci. Voilà, comme ceci. Ici, comme ceci. Et vous allez, oups, pardon, vous allez le passer dans la muserolle qu'on vient de faire. C'est pour ça que j'appelle ça les montants. Donc voilà, vous passez dans la muserolle et puis après vous serrez, donc comme ça, comme ceci. Voilà. Après, on va faire un nœud. Alors, vous passez dans le montant. Vous essayez de serrer quand même pour pas que ça soit desserré. Et vous allez passer dans le trou ici. Et vous serrez. Voilà. Pour faire un double nœud, donc vous répétez l'action. Donc vous passez dans le montant et vous faites un nœud comme ça. Donc voilà, donc ça fait un licol éthologique. Et on va rajouter, donc après on va rajouter la sous-gorge. Donc pour l'instant, on va faire un nœud. Voilà, je vous montre comme ça. Faire un nœud. Comme ça. Voilà, vous ne le serrez pas trop parce que ça va servir pour faire une petite boucle. Pour accrocher soit la longe du licol ou voilà. Voilà. Et après, vous serrez bien, bien sûr. Bien sûr. Vous serrez bien. Donc, ça vous fait un petit trou. Donc, après, vous coupez ce qui dépasse. Donc, voilà. On va continuer. Vous reprenez un bout de laine, n'importe. Alors, on va passer dans le montant. Passer dans le montant. Je vais vous montrer après. Voilà. Donc, vous passez dans le montant
et vous faites un nœud. Alors, c'est quoi mon nœud là? Vous faites un nœud. Voilà. Vous pouvez faire un double nœud. Mais moi, je ne veux pas en faire. Voilà. Donc, après, vous allez le passer pour faire la sous-gorge. Vous avez là. Et vous allez le passer dans le montant. Ici. Voilà. Voilà, donc vous serrez et vous allez faire la même opération que tout à l'heure pour la comment dire pour je me rappelle plus. Donc voilà, pour la muserolle. Donc vous faites la même opération. Là, vous passez ici. Zou. Et vous passez dans le trou pour faire un nœud. Voilà. Et vous refaites la même opération une deuxième fois. Et voilà. Vous coupez les petits fils qui dépassent. Et voilà, votre licol est au logique. Donc, ne vous inquiétez pas si vous trouvez que mes fils de laine sont un peu ébouriffés. Et bien, c'est de la vieille laine. Donc, si vous vous prenez de la bonne laine ou je sais pas, ça fera pas ça, je vous le jure. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et donc, je vous avais promis de vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc, je vais pas vous montrer tout l'eau parce que j'ai pas le temps, en fait, de vous montrer tout l'eau. Donc, déjà, il y a Onassis. Il y a Lamis. Que j'ai fait, que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a Jumping et il y a Moonlight. Donc voilà. Je vous montre quelques-uns parce que voilà, j'ai pas trop le temps de vous montrer tous, vous les montrer. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et voilà. Au revoir!